Voilà, Slickly Royal, 1,69 m. Regardez-moi cette ossature, regardez-moi cette musculature. Un petit-fils de l'Inamix auquel il ne ressemble absolument pas. Il ressemble, il a plus du garde royal. Et c'est normal parce que le garde royal, c'est son père de mère. 5 années de carrière, effectivement, comme c'est inscrit sur ce catalogue, réalisé par FS Media Prod, Annelise de Gorgeux. 5 années de carrière pour un cheval à l'aise dans tous les types de pistes. Effectivement, il courait, il était chez Philippe de Marcastel, ce cheval. Il courait sur le sec, sur le lourd, sur le tout ce que vous voulez d'ailleurs. Il a même couru sur les haies. Il a gagné je ne sais combien de quintés. Et puis, il a été troisième du prix de chemin de fer du Nord, comme vous avez pu le constater sur ces images, groupe 3. Il a été aussi quatrième du Palais de Royal, deuxième du prix d'Anjou-Bretagne. Et vous allez me dire, mais pourquoi ce cheval n'a pas gagné groupe? Eh bien, ce n'est pas compliqué à comprendre. C'est tout simplement que quand vous avez des possibilités de gagner des quintés sur 1600 mètres, eh bien, vous bigorner le cheval de temps en temps sur 2004, comme ça il rebaisse de valeur et vous pouvez regagner quintet sur 1600 mètres et tout va très bien. Vous finissez la carrière du cheval avec 500 000 euros de gain et tout va très bien. Vous n'avez pas besoin d'aller vous prendre la tête à être troisième de Nystad pour vous prendre 9 kilos de surcharge sur le dos par les mêmes handicapeurs.